Merci de prendre place. Je vais ouvrir cette séance dans quelques instants. Monsieur le ministre, madame, messieurs les conseillers de gouvernement, ministres, chers collègues, chers compatriotes, chers résidents, chers amis de la principauté qui nous suivaient sur notre page Facebook, sur le site internet du Conseil national ou bien sur Monaco Info, donc la séance est ouverte. En liminaire, il me revient d'excuser le retard de M. Patrice Hélario, conseiller de gouvernement ministre de l'Intérieur, qui nous rejoindra dès que ses obligations professionnelles lui permettront, donc ça sera vers 19h30. M. Laurent Anselmi, conseiller de gouvernement ministre des Relations extérieures et de la Coopération, nous a fait savoir qu'il était en représentation à l'extérieur et il ne pourra pas par conséquent prendre part à notre séance de ce soir. Sont également absents M. Jean Castellini, conseiller de gouvernement ministre des Finances et de l'Économie, et notre collègue Thomas Brézeau, président de la Commission de législation, qui participent actuellement à une réunion de travail nécessitant leur présence dans le cadre de l'examen d'un texte d'importance qui mobilise les services de nos deux institutions, le projet de loi 1008 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Enfin, nos collègues Michel Ditlot, Jean-Louis Grenda et Balthazar Sédou sont également absents, excusés. Cette séance publique se déroule une nouvelle fois depuis le début de la crise de la Covid-19 sans public, avec toutes les mesures de distanciation physique nécessaires et la prise en compte de tous les protocoles de sécurité sanitaire recommandés. C'est pourquoi vous voyez encore ce soir des conseillers nationaux qui siègent dans les rangs habituellement réservés au public. Je précise également qu'en respect des mesures sanitaires évoquées, une partie des équipes juridiques du gouvernement et du Conseil national sont présentes ce soir, mais elles participent à cette séance depuis une autre salle de notre Assemblée. Par ailleurs, vous nous voyez tous, membres du gouvernement et élus, porter un masque de protection. Cette décision a été prise au Conseil national de façon collégiale et à l'unanimité. Le port du masque sera observé durant l'intégralité des séances publiques. Cette mesure se prolongera aussi longtemps que la situation sanitaire ne connaîtra pas d'amélioration significative et durable. Il m'appartient à présent, donc au point 1 de notre ordre du jour de ce soir, d'annoncer qu'aucun projet de loi ou proposition de loi n'a été déposé sur le bureau de notre Assemblée depuis la dernière séance publique. Ce n'est pas très étonnant quand on sait qu'elle se déroulait. Rappelez-vous, c'est simplement le 3, c'était le 3 novembre dernier. Ou plutôt, oui, c'est ça. On continue donc par le point 2 de l'ordre du jour, puisque nous n'avons pas de nouveaux projets de loi et propositions de loi ou résolutions à étudier. Donc nous passons à la discussion de 3 projets de loi qui sont inscrits à cette soirée. Donc je vous rappelle, selon nos principes, notre règlement intérieur, que sont uniquement pris en compte les votes des conseillers nationaux présents dans l'hémicycle. Conformément à l'article 90 du règlement intérieur, il ne sera donné lecture que des dispositions générales de l'exposé des motifs, des textes législatifs, sachant que, bien évidemment, l'intégralité de l'exposé des motifs sera publiée au Journal de Monaco dans le cadre du compte-rendu in extenso de cette séance publique. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter nos travaux par l'examen du premier projet de loi donc soumis à notre examen. Il s'agit du numéro 1022, prononçant boulevard du Jardin exotique et avenue Pasteur, le transfert d'un volume entrée fonds du domaine public de la commune au domaine public de l'État. Monsieur le secrétaire général, je vous prie de bien vouloir donner lecture de l'exposé des motifs de ce projet de loi. Nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Afin de poursuivre la politique de mobilité qui constitue une priorité constante et de répondre aux besoins actuels en matière de mobilité douce, l'État envisage de créer une galerie dénommée Galerie des Salines. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre des travaux d'aménagement pour la mise en place du schéma global des flux piétons, entrée de ville, nouveau centre hospitalier Princesse Grasse, Fontvieille. Or, il apparaît que l'entrée de ville ouest supérieure et le quartier de Fontvieille sont éloignés horizontalement par environ 310 mètres à vol d'oiseau et verticalement
par une différence d'altitude de 120 mètres. Dès lors, a été étudiée la création d'un parcours piéton pratique et fluide entre ces deux sites, lequel consisterait à relier une galerie souterraine de 110 mètres et une passerelle aérienne de 190 mètres avec des batteries d'ascenseurs placées aux deux extrémités, l'une à l'aplomb du futur parc de stationnement d'entrée de ville, l'autre au droit de l'avenue de Fontvieille via la future opération Îlot Pasteur. La création de cette galerie permettrait également, d'une part, dans l'optique de réduire les nuisances liées à la circulation des véhicules légers sur l'axe routier reliant le quartier du Jardin Exotique au quartier de Fontvieille, aux pendulaires et aux touristes de stationner leurs véhicules dans le futur parking de dissuasion de grande capacité qui se situera en entrée de ville, et, d'autre part, de les inciter à se déplacer autrement en utilisant les modes doux de déplacement, les déplacements réalisés par les actifs non résidents en direction du quartier de Fontvieille représentant en effet 55% du total des déplacements par quartier de travail. Le tracé de cet ouvrage à destination du public impacterait en tréfonds des parcelles appartenant au domaine public de l'État, notamment en nature de voie publique, au domaine privé de l'État, au domaine public de la commune en nature de terrain et à la copropriété de l'immeuble privé Les Caroubiers, 6-3 avenue Pasteur. La réalisation de cette opération sur l'emprise projetée ne pourra toutefois se concrétiser qu'après le transfert au profit du domaine public de l'État des volumes ci-après désignés, dépendant du domaine public de la commune. En tréfonds de l'avenue Pasteur, entre la cote 36,34 NGM environ et la cote 42,86 NGM environ, un volume d'une superficie d'environ 63,3 mètres carrés, identifié entrée, sous teinte bleue hachurage rouge au plan parcellaire numéro C2019-1363-1. En tréfonds de l'avenue Pasteur, entre la cote plus 36,42 NGM environ et la cote plus 40,53 NGM environ, un volume d'une superficie d'environ 11,5 mètres carrés, identifié antenne, sous teinte bleue hachurage orange au plan parcellaire numéro C2019-1363-1. En tréfonds du jardin exotique, entre la cote plus 37,32 NGM environ et la cote plus 42,12 NGM environ, un volume d'une superficie d'environ 116,7 mètres carrés, identifié sous teinte bleue hachurage rouge au plan parcellaire numéro C2019-1363-2. Il convient en outre de souligner que, conformément au dernier alinéa de la loi numéro 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale modifiée, le ministre d'État a consulté le Conseil communal, lequel, réuni en séance publique au cours d'une session extraordinaire le 6 mai 2019, a émis, à l'unanimité de ses membres présents, un avis favorable sur ce projet. Par ailleurs, le volume en tréfonds de la parcelle privée précitée, dépendant de la copropriété Les Caroubiers, fera l'objet d'une procédure d'acquisition par voie amiable. Aussi, conformément à l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi numéro 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale modifiée, l'intervention du législateur est-elle requise afin que soit prononcé avenue Pasteur et boulevard du Jardin Exotique, le transfert des volumes susmentionnés dépendant des domaines publics de la commune au domaine public de l'État. Tel est l'objet du présent projet de loi. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire Général. Je vais à présent donner la parole à notre doyen, Monsieur Daniel Boëry, pour la lecture du rapport qu'il a établi au nom de la Commission des finances et de l'économie nationale. Nous vous écoutons, M. Boëry. Merci, M. le Président. Je vous précise que le plan parcellaire dont il est question va être diffusé sur les écrans pendant votre allocution, M. Boëry, pour aider à une meilleure compréhension de tous, de tous ceux qui nous observent, qui assistent à cette séance. Nous vous écoutons. Merci, M. le Président, M. le Ministre, Madame, M. les conseillers ministres. Chers collègues, chers amis dans le public, et à la télévision et sur Internet. Le projet de loi prononçant boulevard du Jardin Exotique et avenue Pasteur, le transfert d'un volume en tréfonds du domaine public de la commune au domaine public de l'État, a été transmis au secrétariat général du Conseil national et enregistré par celui-ci le 30 septembre 2020, sous le numéro 1022. Il a été renvoyé devant la Commission des finances et de l'économie nationale lors de la séance publique du 6 octobre 2020. De quoi s'agit-il ? Afin de poursuivre la politique de mobilité, il s'agit de donner à l'État les moyens juridiques nécessaires à la création d'une galerie dénommée Galerie des Salines. On vous présente ici l'ensemble du projet quand il sera terminé. On y reviendra. Je vous laisse regarder 2 secondes. Le 18 novembre dernier, le Conseil national a adressé au gouvernement une liste de questions afin que certains éclairages nécessaires à son positionnement quant au vote de ce texte lui soient apportés.
Le gouvernement a très rapidement répondu à ces interrogations dès le 24 novembre 2020. En liminaire, il convient de préciser que ce projet de loi ne constitue pas une désaffectation, mais le transfert d'un bien d'un domaine public à un autre. À cet effet, afin d'éclaircir la question, il est nécessaire d'expliquer qu'en principauté, les lois de désaffectation s'établissent au sens de la doctrine comme des lois de déclassement du domaine public de l'État, lequel est constitué des biens qui sont affectés soit à l'État, à l'essage du public, soit à celui d'un service public. En effet, d'une façon générale, une loi de désaffectation votée par le Conseil national constitue un acte de déclassement formel, c'est-à-dire un acte juridique entraînant la sortie d'un bien du domaine public en vue de son incorporation au domaine privé de l'État, conformément à l'article 33 de la Constitution qui énonce que la désaffectation d'un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté, dans le domaine privé de l'État et la commune, selon les cas. Or, bien du domaine public de l'État étant constitué par des biens affectés soit à l'usage du public, soit à celui du service public, chaque déclassement entraîne nécessairement une modification de l'affectation du bien, qui juridiquement se traduit par une désaffectation. Aussi, même s'il est dénommé désaffectation, cet acte constitue un déclassement, lequel doit obligatoirement être précédé ou à minima accompagné d'une désaffectation dans la mesure où cette dernière est une condition sine qua non au déclassement. Or, en l'espèce, le volume de tréfonds objet du présent projet de loi ne va jamais quitter le domaine public. Il est simplement question de prononcer un transfert, une mutation du volume d'un domaine public, celui de la commune, à un autre domaine public, celui de l'État. Il ne s'agit ni d'une annulation, ni d'un changement de statut. Ce volume demeurera donc inaliénable et ne pourra être utilisé que dans l'intérêt général, ce qui est précisément l'objectif du projet structurant, rendant nécessaire ce transfert. Ce type de transfert du domaine public de la commune à celui de l'État demeure assez peu fréquent, en tout cas moins régulier qu'une désaffectation. Il dépend des 4e et 5e alinéas de l'article 3 de la loi 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale modifiée. Ainsi, le 5e alinéa de cette loi énonce le transfert des biens du domaine public communal au domaine public ou privé de l'État ne peut être opéré que par la loi. En l'espèce, celle portée par le projet de loi qui est soumis au vote du Conseil national ce soir. De plus, dans un préalable requis par le 4e alinéa de cette même loi indiquant que le Conseil communal doit formuler des propositions ou être consulté par le ministre d'État préalablement à l'incorporation d'un bien de la loi au domaine public de la commune, à la désaffectation de ces biens ou leur transfert dans le domaine de l'État. Le Conseil communal, conscient de l'intérêt public se dégageant de ce projet, a donné un avis favorable à cette opération lors de la séance publique, séance publique extraordinaire du 6 mai 2019 à l'unanimité des membres présents. Par ailleurs, l'État s'est engagé à acquérir et disposer d'une dizaine de panneaux publicitaires qui seront déployés dans la future galerie des Salines et dont la propriété ainsi que les charges d'exploitation seront transférées à la commune à compter de la date de livraison du projet. Le présent projet de loi, en opérant un transfert d'une parcelle du tréfonds, rendra possible la création d'une galerie dénommée la Galerie des Salines, s'inscrivant, selon les termes du gouvernement dans son exposé des motifs, dans la cadre des travaux d'aménagement par la mise en place d'un schéma global flux piéton, entrée de ville, nouveau centre hospitalier et fonds vieille. Normalement, on devrait avoir les... Voilà, donc, les dessins de la galerie avec ses deux entrées. Et peut-être un autre. Bon, il n'y est pas. S'il revient plus tard, ce sera celui avec la publicité.
C'est quand même plus joli. Afin d'être parfaitement exhaustif, il convient de compléter mon propos en précisant que le tracé de cette galerie impacte également une parcelle en tréfonds appartenant à la copropriété de l'immeuble privé Les Caroubiers, comptant 11 copropriétaires monégasques dont l'État, qui fait actuellement l'objet d'une procédure d'acquisition par voie amiable et qui arrivera probablement à son terme. À cet égard, plutôt que le versement d'une somme en numéraire, les copropriétaires de l'immeuble ont opté pour une contrepartie équilibrée en nature qui permettra ainsi à l'État d'acquérir cette parcelle en tréfonds, rappelons-le, pour une somme raisonnable. Cette opération permettra au moyen d'un parcours piétonnier de relier l'entrée de ville, vous le voyez sur le schéma, l'entrée de ville de l'ouest supérieure, le nouveau centre hospitalier Princesse Grâce et le quartier de Fontvieille, par la construction de trois éléments architecturaux. Une galerie souterraine, une passerelle aérienne et plusieurs batteries d'ascenseurs placées aux deux extrémités. Ce nouveau projet d'entrée de ville est apparu très intéressant à la Commission dès lors qu'il aura comme objectif premier de favoriser les circulations horizontales et verticales, pour certains par des moyens mécanisés, conduisant à promouvoir dans les meilleures conditions la mobilité douce, sujet ô combien essentiel pour un État aussi engagé qu'est le nôtre principauté dans la protection de l'environnement et l'amélioration constante de sa qualité de vie. La création de la galerie des Salines doit être mise en perspective de la construction du parking d'entrée de ville relais, on le voit là-haut, dans l'optique de réduire les nuisances à la circulation des véhicules, des pendulaires et des touristes sur l'axe routier reliant le quartier du Jardin Exotique et de Fontvieille. Ainsi, lorsque l'ensemble de ces équipements sera connecté, constituant par voie de conséquence un réseau, un réel impact sur la protection de l'environnement et la qualité de vie pourra sans nul doute être constaté. Votre rapporteur insiste d'ailleurs sur l'objectif qu'il considère comme cardinal, visant à rendre à terme aussi inutile que possible le recours à la voiture au sein de notre ville. Enfin, votre rapporteur tient à rappeler que le Conseil national conservera toujours un œil extrêmement vigilant, d'une part sur la domanialité publique et de ses incidences, dès lors que toute désaffectation ou transfert d'un domaine public doit faire l'objet d'une loi, et d'autre part sur la cohérence entre les projets structurants présentés par le gouvernement et la recherche constante d'une meilleure qualité de vie qui constitue également l'image de Monaco à l'international. Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite désormais à adopter sans réserve le présent projet de loi. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour ce rapport très clair et illustré. Je crois que c'était important que chacun se rende compte de ce que ce futur projet représente à travers les images que vous avez fait projeter. Alors, le gouvernement souhaite s'exprimer, monsieur le ministre d'État, et vous avez souhaité donc nous donner la parole à madame le conseiller de gouvernement, ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Donc, nous allons écouter pour la réponse du gouvernement à ce rapport, madame Marie-Pierre Gramalia. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers nationaux, en liminaire, je voudrais d'abord remercier monsieur Daniel Boëry pour ce rapport très exhaustif de la Commission des finances et de l'économie nationale. Monsieur le rapporteur a rappelé l'objectif de ce projet de loi nécessaire à la réalisation de la galerie des Salines par le transfert d'un volume en tréfonds du domaine public de la commune au domaine public de l'État. Alors, je précise que cette galerie publique piétonne s'inscrit dans le cadre de la politique de mobilité et plus particulièrement la mobilité douce qui constitue, je le rappelle, une des priorités du gouvernement. En effet, le développement des liaisons mécanisées et des galeries piétonnes est une constante dans l'approche du gouvernement lorsque l'on sait que les déplacements intramuros se font majoritairement en principauté de Monaco à pied. Ainsi, dans le cadre des travaux d'aménagement pour la mise en place du schéma global des flux piétons, entrée de ville, nouveau centre hospitalier Princesse Grâce, Fontvieille, cet ouvrage reliera l'avenue Pasteur au niveau du virage après l'entrée du cimetière à deux destinations possibles.
le nouveau centre hospitalier Princesse Grâce via une branche de tunnel conduisant à un premier ascenseur double, le parc de stationnement d'entrée de ville ouest via la galerie principale qui conduit à un second ascenseur double. Aussi, je confirme, ainsi qu'a bien voulu le préciser Monsieur le rapporteur, que ce projet portant sur le transfert d'un bien du domaine public de la commune au domaine public de l'État n'entraînera nullement sa désaffectation. En effet, si l'usage public de cette liaison est clairement établi et ne soulève aucun doute sur la domanialité des parcelles l'abritant, j'ajoute, comme n'a pas manqué de le souligner la Commission, que l'intérêt public auquel elle participe est en l'espèce conforté. Elle permettra en effet de renforcer les actions de l'État en faveur de la mobilité douce, puisque la galerie sera mise en service à la livraison du parc de stationnement public d'entrée de ville ouest, qui est de 1820 places, je le rappelle, au premier semestre 2023. Ce parking devrait participer à limiter les flux entrants en principauté par la moyenne corniche et le boulevard du Jardin Exotique et contribuer ainsi à réduire les nuisances liées à la circulation automobile en ville, notamment des pendulaires et des touristes. Enfin, je précise que sa création bénéficiera d'un traitement architectural soigné et intégrera la mise en valeur d'œuvres artistiques et le déploiement de panneaux publicitaires numériques. Je conclurai mon propos en confirmant que, tout comme le Conseil national, le gouvernement est particulièrement attentif à la conduite et au développement de ses projets structurants en parfaite cohérence avec les objectifs prioritaires d'amélioration de la qualité de vie et de protection de l'environnement. Je vous remercie. Merci, Madame Gramalia. Est-ce qu'il y a donc des élus à présent donc, qui souhaitent s'exprimer avant que nous passions au vote de ce texte dans le cadre du débat, la discussion générale? Oui, le monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Juste un mot, tout me semble avoir été dit. Quand le projet sera livré, ce sera une véritable contribution à la qualité de vie. Moins de véhicules, mobilité douce, beaucoup de marche à pied, moins de CO2, que demander de plus? Merci. Monsieur Ritt a la parole. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi numéro 1022, qui reste un transfert de parcelles de domaine public à domaine public, ne soulève pas de problème d'ordre politique et n'appelle donc pas sur ce plan de commentaires particuliers. Et son vote, auquel j'entends naturellement contribuer, a pour but de permettre la réalisation d'une liaison piétonnière verticale qui s'avérera extrêmement utile tant pour les résidents que pour les travailleurs dits pendulaires. Je souhaiterais, sur un autre plan, remercier le rapporteur de nous avoir exposé avec une grande clarté les bases de la terminologie parfois déroutante mais spécifique à la principauté, utilisée pour désigner ce que nos voisins français nomment « procédure de déclassement » et que nous appelons « loi de désaffectation ». Cette appellation correspondante, en effet, à la contraction en une seule étape de deux procédures qui sont distinctes et successives dans le pays voisin, la désaffectation et le déclassement. Bien qu'il s'agisse, pour le projet de loi qui nous occupe ce soir, je préfère le répéter, d'une simple loi de transfert, toutes les précisions apportées par la lecture du rapport sur les procédures de changement de domanialité sont fondamentales et elles pourront être d'une grande utilité pour clarifier l'esprit des élus lorsqu'ils seront amenés à voter des projets de loi de désaffectation ayant pour finalité l'aliénation de terrains appartenant au domaine public de l'État. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ritt. Oui, plusieurs élus ont levé la main. Je vois Monsieur Badia. Monsieur Badia, vous souhaitez intervenir dans cette discussion et donc Madame Gibelli, dans l'ordre que vous souhaitez. Madame, Monsieur Badia, vous aviez levé la main le premier. Nous vous écoutons. Monsieur le ministre d'État, Madame et Messieurs les conseillers de gouvernement ministre, chers collègues, chers monégasques devant vos téléviseurs ou devant vos ordinateurs. Parce qu'il s'établit entre le niveau de la mer et la côte 164-40, l'amphithéâtre urbain de la Principauté ne simplifie pas le déplacement piétonnier. C'est autour des années 70 déjà que les règles d'urbanisme spécifiques à certains secteurs, dits ordonnancés,
ont, chaque fois que nécessaire, prévu l'incorporation au sein d'ouvrages publics ou privés des circulations verticales et horizontales à même de faciliter les allées et venues en ville. On ne parlait pas alors de mobilité, mais de liaison piétonne. Ainsi, à l'occasion de leur construction, plusieurs promotions immobilières privées se sont vues imposer la réalisation de galeries et d'ascenseurs destinés à gommer les déclivités, pendant que les pouvoirs publics engageaient d'importants travaux, tels que la galerie sous la rue des Açores, la traversée souterraine du tunnel du boulevard Louis II conduisant aux ascenseurs menant au casino, ou encore les dessertes du centre commercial de Fontvieille depuis le boulevard Charles III ou la promenade Honoré II. La création de la galerie des Salines, une fois permise par la loi 1022, répondra aux mêmes préoccupations. Elle se justifie d'autant plus qu'au-delà de la desserte d'un quartier assez malaisé, il s'agit de faciliter l'accès à notre nouvel hôpital. Aussi, dès son achèvement, le fascicule Monaco-Malin et l'application CityMapper pourront proposer aux habitants de la principauté et aux touristes un nouvel itinéraire piétonnier. Pour cette raison, et parce que le futur ouvrage s'inscrit dans la poursuite de la politique suivie en faveur des déplacements, je voterai volontiers ce projet de loi. Merci, M. Badia. Nous écoutons donc à présent Mme Marie-Noëlle Gibelli. Merci, M. le Président. M. le Ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers du gouvernement ministre, chers collègues, chers téléspectateurs et chères personnes qui nous suivent sur les réseaux et Internet. Avant de commencer, je voudrais saluer mon collègue et rapporteur de ce texte, M. Daniel Boëri, pour la qualité de son rapport. Il est indéniable, et vous l'avez souligné, Madame le Conseiller ministre, ainsi que mon collègue José Badia, que depuis plusieurs années, la Principauté met un point d'honneur à favoriser la mobilité douce sur son territoire. Galeries souterraines, liaisons mécanisées et tunnels, déjà nombreux en sont témoins, facilitant ainsi les déplacements à pied entre les différentes zones géographiques. L'objectif en développant davantage d'itinéraires piétons est de continuer à limiter les flux de véhicules qui viennent fréquemment engorger les axes principaux. Ainsi, ce nouveau schéma de mobilité vient compléter le projet de parking entrée de ville, dont les travaux ont déjà commencé, et permettra à terme de faire la jonction entre le jardin exotique, le nouveau CHPG et le quartier de Fontvieille par voie pédestre. Notre rapporteur l'a dit. Il s'agit en effet de favoriser les liaisons verticales et horizontales sur cet itinéraire par le biais de cheminements piétons et d'ascenseurs. La corrélation entre le parking d'entrée de ville et ce nouveau circuit piéton aura donc, je l'espère, comme conséquence de limiter le nombre de véhicules circulant à Monaco. Alors oui, j'encourage tous les projets de mobilité douce qui peuvent être développés en principauté. Et je suis forcément attentive à leur complémentarité. Qu'il s'agisse de cheminements piétons, de voies pour les vélos, du développement de services de monobike ou encore de l'amélioration du service des transports en commun, l'enjeu est double, améliorer la qualité de vie et limiter l'impact environnemental des véhicules. Enfin, pour conclure, j'ajouterai que le quartier de Fontvieille étant l'un des principaux bassins d'emploi de la principauté, il faudra veiller à ce que ce projet soit suffisamment important pour absorber l'intégralité des flux de personnes qui utiliseront à terme cette nouvelle voie d'accès. Je voterai bien évidemment en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame Gibelli. Voilà, bah écoutez, comme vous pouvez le constater, malgré la période très chargé, très complexe que nous traversons, avec l'étude en cours d'un troisième budget en 9 mois pour faire face à la crise historique que nous connaissons, le Conseil national continue de jouer pleinement son rôle de co-législateur. Il s'agit de poursuivre le travail d'amélioration de notre corpus législatif. On va le voir juste après avec deux lois importantes qui vont être examinées, mais aussi de voter des textes donc, qui, comme celui-ci, permettent à l'État de mettre en place des équipements structurants utiles à la population de notre pays. Cette galerie, vous l'avez tous dit, sera un élément de plus favorisant la mobilité douce dans un schéma de déplacement piéton cohérent. On ne peut que tous et toutes s'en réjouir. Nous allons donc voter ce texte qui permettra la réalisation de cet équipement sans plus attendre.
Monsieur le secrétaire général, merci de bien vouloir à présent donc donner lecture des deux articles de ce projet de loi. Monsieur Notary, vous souhaitez motiver... Merci, Monsieur le Président. Pour me conformer aux nouvelles dispositions du règlement intérieur, je ne participerai pas au vote. Merci. Donc, Monsieur Notary ne participe pas au vote. Nous mettons par ailleurs donc, cette loi aux voix, donc, avec ces deux articles. Monsieur le secrétaire général. Article 1er est prononcé en application de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi numéro 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, le transfert du domaine public de la commune au domaine public de l'État de deux parcelles de terrain en Tréfonds, 6 avenue Pasteur, mentionnées ci-après. Une parcelle de terrain entrée en Tréfonds d'une superficie d'environ 63,3 mètres carrés, de la cote plus 36,34 NGM à la cote plus 42,86 NGM, cadastrée section A sous les numéros 55P, 56P, identifiée sous une teinte bleue hachurage rouge au plan parcellaire numéro C2019-1363-1 en date du 16 octobre 2019 à l'échelle du 1/200e, s'y annexée. Une parcelle de terrain antenne en Tréfonds d'une superficie d'environ 11,5 mètres carrés, de la cote plus 36,42 NGM à la cote plus 40,53 NGM, cadastrée section A sous les numéros 55P et 56P, identifiée sous une teinte bleue hachurage orange au plan parcellaire numéro C2019-1363-1 en date du 16 octobre 2019 à l'échelle du 1/200e, s'y annexée. Je mets donc cet article premier aux voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? Pas d'abstentions. L'article 1er est adopté. Article 2 est également prononcé en application de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi numéro 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, le transfert du domaine public de la commune au domaine public de l'État d'une parcelle de terrain en Tréfonds, 6 boulevard du Jardin Exotique, d'une superficie d'environ 116,7 mètres carrés, de la cote plus 37,32 NGM à la cote plus 42,12 NGM, cadastrée section A sous le numéro 78P, identifiée sous une teinte bleue hachurage rouge au plan parcellaire numéro C2019-1363-2 en date du 16 octobre 2019 à l'échelle du 1/200e, s'y annexé. Je mets l'article 2 aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, il est adopté. Je vais donc mettre à présent l'ensemble de la loi aux voix. Je vous propose pour tous ceux qui souhaitent donc la voter de bien vouloir lever la main. Donc sont en faveur du vote de cette loi. L'ensemble des conseillers nationaux présents, Monsieur Notary, ne participant pas au vote. Donc la loi est adoptée à l'unanimité des votants. Nous allons dès à présent poursuivre notre ordre du jour avec le deuxième donc, projet de loi à l'étude, le numéro 1020, relative aux aides pour l'accès ou le retour à l'emploi. Monsieur le secrétaire général, merci de bien vouloir donner lecture des dispositions générales de l'exposé des motifs de ce projet de loi. Monsieur le Président. L'accompagnement à l'emploi et l'aide à l'insertion professionnelle des monégasques et des résidents de la principauté est l'un des éléments majeurs de la politique sociale du gouvernement princier. Un recensement des différentes aides servies en matière d'insertion professionnelle et de leurs compléments éventuels, tickets services, paiement de factures, couverture maladie, aides sociales diverses, etc., a été établi en 2018, qui a conduit à constater que la multiplicité des systèmes d'aide et d'accompagnement, commission d'insertion socio-professionnelle, allocation Pôle emploi, allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d'emploi, allocation d'aide publique, allocation de chômage social, leur fait perdre en lisibilité. Aussi, le gouvernement a considéré que le dispositif de soutien et d'accompagnement à l'emploi dans sa globalité méritait d'évoluer vers plus de simplicité. Il a ainsi été décidé de clarifier et rationaliser les dispositifs en les réorganisant sur le plan législatif et réglementaire et en reconnaissant, via les montants servis, l'investissement personnel de ceux qui sont en recherche active d'emploi. Le présent projet de loi a ainsi pour objectif de réorganiser, dans un nouveau dispositif plus adapté au contexte actuel, l'allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d'emploi régies par la loi numéro 1113 du 27 juin 1988 et l'allocation d'aide publique régie par la loi numéro 871 du 17 juillet 1969, toutes deux servies par la direction du travail. Tel est l'objet du présent projet de loi. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire Général. Je vais sans plus attendre donner la parole à notre vice-présidente, Madame Brigitte Bocconne-Pagès, pour la lecture du rapport qu'elle a établi au nom de la Commission des droits de la femme et de la famille. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, je vous remercie
Juste, la loi était dans la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Donc, je vais lire le rapport sur le projet de loi 1020 relative aux aides pour l'accès ou le retour à l'emploi. Le projet de loi relative aux aides pour l'accès ou le retour à l'emploi a été transmis au secrétariat général du Conseil national et enregistré par celui-ci le 10 août 2020 sous le numéro 1020. Il a été renvoyé devant la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses lors de la séance publique du 6 octobre 2020. La principauté, qui dispose d'un modèle social avancé, attribue déjà aujourd'hui des aides ainsi que divers compléments éventuels aux monégasques et aux résidents qui, soit souhaitent trouver un premier emploi à l'issue de leurs études, soit entendent se réinsérer sur le marché du travail après avoir perdu momentanément et involontairement leur emploi. Toutefois, dans un souci de lisibilité et d'efficacité, le présent projet de loi a pour objet de réorganiser ces aides actuellement servies par la direction du travail, à savoir l'allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d'emploi régie par la loi numéro 1113 du 27 juin 1988 modifiée qui devient l'aide pour l'accès à l'emploi et, d'autre part, l'allocation d'aide publique régie par la loi numéro 871 du 17 juillet 1969 modifiée qui devient l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi. À titre liminaire, votre rapporteur relève que s'il est indispensable d'améliorer l'accompagnement des jeunes à la recherche de leur premier emploi et des personnes qui souhaitent retrouver un emploi, cela est d'autant plus vrai alors que la crise sanitaire à laquelle Monaco doit faire face impacte la situation du marché du travail. Ainsi, la Commission a-t-elle estimé que les conditions d'ouverture de l'aide pour l'accès à l'emploi devaient être précisées. Aussi, elle a indiqué ce que recouvre la notion de premier emploi. De plus, s'inspirant du dispositif des bourses d'études, les élus ont considéré que l'aide pour l'accès à l'emploi devait pouvoir bénéficier aux personnes âgées d'au moins 16 ans, de nationalité monégasque ou qui résident en principauté sans interruption depuis 10 ans au moins à la date de leur inscription au service de l'emploi, dans le cadre d'une recherche active d'un premier emploi. En outre, la Commission a souhaité que la durée de versement de chacune de ces aides soit précisée dans la loi et que celle de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi fixée à 1 an puisse être renouvelée. Par ailleurs, pour garantir l'égalité de traitement entre les bénéficiaires de chacune de ces aides, la Commission a considéré que, dans l'hypothèse où les membres d'un même foyer, parents et enfants, ouvriraient droit à l'une de ces aides, il devait être versé à chacun d'eux l'intégralité de l'aide qui lui a été attribuée. Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, votre rapporteur entend apporter maintenant certaines explications concernant les amendements opérés par la Commission, à l'exception toutefois des modifications de pure forme effectuées aux articles 1er, 7, 8 et 12 du projet. L'article 2 du projet de loi renvoie à une ordonnance souveraine le soin de préciser les montants alloués au titre de l'aide pour l'accès à l'emploi et de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi. La Commission a cependant observé que les lois numéro 871 et numéro 1113 modifiées précitées, qui régissent les aides que ce projet de loi a pour objet de réformer, mentionnent la durée de versement de celles-ci. Aussi, ses membres ont estimé que, pour des raisons de prévisibilité, la future loi devait, à l'instar des textes en vigueur, préciser la durée pendant laquelle l'aide pour l'accès à l'emploi et l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi peuvent être perçues. Ainsi, au titre de l'aide pour l'accès à l'emploi, les membres de la Commission ont repris la durée d'une année prévue à l'article 4 de la loi numéro 1113 modifiée, susmentionnée. En outre, au titre de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi, la Commission, soucieuse de consacrer une pleine efficacité à cet accompagnement, surtout dans cette période difficile de recherche d'emploi,
a prévu une durée d'une année renouvelable une fois, plutôt que de 6 mois renouvelables une fois, comme cela est prévu par l'article 3 de la loi numéro 871 précitée. En réponse, le gouvernement indiquait à la Commission que le projet de loi prévoit le versement de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi durant une période de 6 mois renouvelable une fois, soit 1 an au total. Ces dispositions permettront aux services chargés de la gestion de cette aide de faire un bilan sur la situation du demandeur à mi-chemin du versement de l'aide et de s'assurer du maintien de sa motivation et d'une absence de changement dans les conditions de bénéfice. Bien que le versement de l'aide pendant une durée d'un an ne fasse pas obstacle à la mise en place d'un contrôle biannuel de la situation de son bénéficiaire, la Commission et le gouvernement se sont entendus sur le fait que le versement de l'aide pour l'accès à l'emploi et de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi soit ouvert pour une durée d'une année révisable à l'issue d'une période de 6 mois. L'article 2 du projet de loi a par conséquent été amendé en ce sens. La Commission a effectué des modifications de 2 ordres à l'article 3 du projet de loi qui prévoit que, ouvrez les guillemets, dans l'hypothèse où les 2 membres d'un même foyer ouvrent droit à la même aide parmi celles prévues à l'article 1er, il est versé une seule aide au foyer majoré de 50%, fermez les guillemets. En premier, afin d'accorder le maximum de chances à ceux qui sont à la recherche d'un premier emploi ou qui aspirent à retrouver un emploi, la Commission a considéré opportun d'accorder une aide pleine et entière à tous les membres d'un même foyer ouvrant droit à l'une de ces 2 aides. De plus, le mot « deux » a été supprimé afin de prendre en considération l'hypothèse où les parents et leurs enfants ouvriraient droit à l'une de ces 2 aides. En second lieu, la Commission s'est intéressée aux modalités de versement de ces aides. Ainsi, il ressort de la rédaction du gouvernement qu'un seul membre du foyer perçoit la totalité du montant octroyé aux membres du foyer. Or, la Commission a estimé qu'il était essentiel que chaque membre d'un foyer puisse disposer librement et directement des montants perçus au titre de son aide. Le gouvernement a indiqué à la Commission que, s'il n'était pas opposé à répartir le service de l'allocation sur chacun des membres du foyer, si tous 2 y ouvrent droit, il ne souhaitait pas, en revanche, que chaque membre du foyer bénéficiant de la même aide se voit allouer une aide pleine et entière. Il a en effet souligné d'une part que 2 membres d'un même foyer partagent des frais communs et que, de ce fait, il n'était pas juste par rapport aux autres bénéficiaires de verser 2 aides à 100% et d'autre part que cet arbitrage est déjà appliqué dans le cadre des dossiers qui relèvent de la loi numéro 871 précitée. La Commission a néanmoins décidé de maintenir son amendement dans la mesure où, même si la solution qu'elle privilégie n'est pas celle habituellement retenue en droit monégasque, elle estime qu'il est opportun de reconnaître, comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, ouvrez les guillemets, via les montants servis, l'investissement personnel de ceux qui sont dans une recherche active d'emploi, fermez les guillemets, et plus largement de maximiser les chances des bénéficiaires de trouver ou de retrouver un emploi. L'article 3 du projet de loi a donc été amendé. L'article 4 du projet de loi précise quelles sont les personnes qui ne peuvent bénéficier de l'aide pour l'accès à l'emploi ou de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi. À ce titre, chacune de ces aides ayant pour objet de permettre à leurs bénéficiaires de trouver un premier emploi ou de retrouver un emploi, la Commission a estimé que lorsque l'une de ces 2 situations se présente, il serait logique que le bénéficiaire ne puisse pas ou plus prétendre au versement de l'une ou l'autre de ces aides. Le gouvernement a toutefois attiré l'attention des élus sur le fait que la modification proposée exclut du bénéfice de ces aides les demandeurs qui acceptent un emploi à temps partiel, alors qu'actuellement l'aide est maintenue au prorata afin d'une part de leur attribuer une couverture sociale et d'autre part de leur assurer un revenu correct. Il a par conséquent souligné que cet amendement pourrait paraître dissuasif
dans la mesure où il pourrait conduire des demandeurs à décliner ce type d'emploi, ce qui pourrait les inciter à ne pas sortir de cette situation. Le gouvernement a par conséquent proposé que seules les personnes qui ont trouvé ou retrouvé un emploi à temps plein ne puissent plus percevoir l'aide pour l'accès à l'emploi ou l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi, ce que la Commission a accepté. Ainsi, l'article 4 du projet de loi a été amendé. L'article 5 du projet de loi indique les obligations incombant aux personnes bénéficiant de l'aide pour l'accès à l'emploi et de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi. Parmi elles, figure l'obligation d'accepter les postes proposés par le service de l'emploi, alors que ceux-ci constituent notamment une offre raisonnable d'emploi. Or, cette notion ne faisant l'objet d'une définition juridique stricte, sa présence laisse de facto une marge d'appréciation importante qui constituerait une source d'insécurité. Aussi, les membres de la Commission ont estimé qu'il était préférable de préciser que les postes proposés par le service de l'emploi aux bénéficiaires de ces aides doivent être compatibles avec leur formation et leurs aptitudes ou qu'ils doivent, le cas échéant, constituer une offre d'emploi correspondant à leur taux d'invalidité et que ceux-ci sont rétribués au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession, tel que cela est prévu par l'article 5 de la loi numéro 1113 modifiée, susvisée. Ce texte se réfère en effet à des éléments objectifs et identifiables. Le gouvernement a indiqué qu'il était effectivement judicieux de mentionner que les postes proposés par le service de l'emploi doivent être compatibles avec la formation et les aptitudes des bénéficiaires. Il a toutefois souligné que, à défaut de grille de salaire par corps de métier en principauté, il sera difficile pour le service instructeur d'évaluer que le salaire proposé entre dans cette catégorie. Consciente de la réalité des difficultés ainsi évoquées par le gouvernement, la Commission a accepté qu'il ne soit pas tenu compte du taux de salaire normalement pratiqué dans la profession dans le cadre de la définition de l'offre raisonnable d'emploi. Celle-ci s'entend par conséquent de celle qui est compatible avec la formation et les aptitudes de l'intéressé ou de celle qui correspond à son taux d'invalidité. L'article 5 du projet de loi a par conséquent été amendé. L'article 11 du projet de loi qui définit les conditions d'ouverture du droit à l'aide pour l'accès à l'emploi a fait l'objet de plusieurs amendements de la part de la Commission. Deux points ont en effet retenu l'attention de la Commission. Celui de la condition de résidence requise pour les demandeurs non monégasques et celui relatif à la définition d'un premier emploi. Ainsi, s'agissant de la condition de résidence, il ressort de la comparaison des termes des articles 11 et 12 du projet de loi que ce dernier opérait une différence de traitement significative entre les non monégasques candidats à l'une de ces deux aides. En effet, une condition de résidence permettant d'ouvrir droit à l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi est fixée à 10 ans au moins, sans interruption, depuis la date d'inscription comme demandeur d'emploi. En revanche, pour ouvrir droit à l'aide à l'accès à l'emploi, le candidat qui, rappelons-le, doit avoir plus de 16 ans, doit résider en principauté depuis sa naissance, ce qui implique une condition de résidence qui semble excessivement longue. Dès lors, dans un souci d'équité, il est apparu opportun à la Commission de modifier la durée de la condition de résidence en principauté au bénéfice des candidats à l'aide à l'accès à l'emploi. Ainsi, la Commission a considéré que fixer une durée de résidence de 10 ans pour les candidats non monégasques à l'aide à l'accès à l'emploi présente deux avantages au moins. D'une part, cela permettrait de s'aligner sur la condition de durée fixée pour l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi. Et d'autre part, cela aurait le mérite de présenter une certaine continuité avec la condition de durée de résidence fixée pour les non-monégasques candidats à une bourse d'études. Ce premier amendement a été accepté par le gouvernement. Concernant la définition du premier emploi, les membres de la Commission ont souhaité en préciser le contenu afin de s'assurer que la personne qui aurait travaillé durant les vacances, celle qui aurait effectué un stage ou encore celle qui aurait travaillé en alternance dans le cadre de ses études pourrait bénéficier de l'aide à l'accès à l'emploi. En réponse à ce second amendement, le gouvernement a souligné que,
ceux qui ont occupé un emploi, soit en alternance dans le cadre de leurs études, soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, ne devraient pas être considérés comme des candidats à un premier emploi, dans la mesure où ces emplois permettent d'ouvrir droit au bénéfice du chômage conventionnel et les privent donc de la possibilité de bénéficier de l'aide pour l'accès à l'emploi. Comprenant l'argument du gouvernement selon lequel ces emplois permettent d'ouvrir droit au bénéfice du chômage conventionnel, la Commission a estimé que ces personnes doivent être considérées comme étant candidates à un emploi sous réserve qu'elles n'aient pas ouvert droit ou qu'elles ne puissent ouvrir droit au chômage conventionnel. L'article 11 du projet de loi a donc été amendé. L'article 13 du projet de loi précise les conditions qui doivent être remplies par les personnes afin qu'elles puissent être considérées comme involontairement privées d'emploi et qu'elles puissent ainsi bénéficier de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi. La Commission a constaté que, parmi ces conditions, figure l'obligation d'avoir, au cours des 12 derniers mois qui précèdent leur inscription au service de l'emploi comme demandeur d'emploi, accompli un travail régulier pendant une période minimale de 150 jours ou, pour les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents et assimilés, 1000 heures de travail salarié. Cependant, la Commission a relevé qu'actuellement, les conditions requises pour prétendre au bénéfice du chômage conventionnel sont moins strictes que celles prévues pour ouvrir droit à l'accompagnement au retour à l'emploi, le demandeur devant justifier avoir travaillé 4 mois au moins au cours des 24 derniers mois. Or, l'aide prévue par le projet de loi ayant un caractère subsidiaire, la Commission a considéré que ces conditions d'ouverture devraient être plus souples que celles du chômage conventionnel. C'est la raison pour laquelle les membres de la Commission ont prévu, en concertation avec le gouvernement, que la période de référence prise en considération soit fixée à 24 mois et que la période minimale de travail requise soit de 120 jours ou pour les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents et assimilés, 800 heures de travail salarié. Ainsi, l'article 14 du projet de loi a été amendé. Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite désormais à adopter sans réserve le projet de loi tel qu'amendé par la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Merci, Madame le rapporteur, pour ce rapport très complet et très précis sur ce projet de loi, en expliquant parfaitement les amendements de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses qu'il avait étudiés. Le gouvernement va à présent s'exprimer. Et M. le ministre d'État, vous avez souhaité que ce soit donc M. le conseiller du gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui apporte donc l'analyse du gouvernement. Nous écoutons donc M. Didier Gamerdinger. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, je voudrais en tout premier lieu remercier très sincèrement la présidente Mme Brigitte Bocon-Pagès pour son rapport approfondi et particulièrement clair sur un sujet qui n'est pas forcément très accessible. Je la remercie également de l'intérêt constant qu'elle a exprimé sur ce sujet lors de nos échanges, de même que le président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Ce texte, vous l'avez dit, vient reprendre un dispositif préexistant qui était satisfaisant, mais que le gouvernement a souhaité améliorer encore. Concrètement, il est apparu que les niveaux d'aide accordés aux demandeurs d'emploi méritaient d'être davantage en rapport avec la situation réelle des bénéficiaires. Le soutien financier des primo-demandeurs d'emploi, qui sont souvent des personnes assez jeunes, est adapté à leur situation et ne nécessite pas d'être revu. En revanche, l'allocation mise en place au bénéfice des personnes qui ont déjà eu un parcours professionnel avéré est apparue insuffisante aux yeux du gouvernement. Ces personnes sont souvent un peu moins jeunes que les précédentes, ont très fréquemment des charges de famille, ont des frais plus conséquents de la vie quotidienne, logement propre, abonnement, facture de fluide. Lorsque les bénéficiaires ont un réel souhait d'insertion dans le monde du travail, que leur démarche est volontariste et qu'en dépit de cela, il faut un peu de temps pour retrouver une activité salariée, il est légitime que les allocations services soient plus élevées. C'est l'esprit même de cette réforme, aider plus ceux qui en ont davantage besoin, car plus avancés dans la vie, valoriser et soutenir leurs projets professionnels.
Avec les deux textes soumis au vote de votre Assemblée ce soir, le gouvernement pense que nous avons une approche plus cohérente. Une aide financière et une couverture sociale pour les primo-demandeurs d'emploi, une aide plus importante, une couverture médicale et des majorations pour enfants à charge pour les personnes qui ont déjà eu un parcours professionnel et qui souhaitent retrouver un emploi. Et puis enfin, nous le verrons tout à l'heure, un revenu minimum pour celles et ceux qui, à un moment de leur vie, ne sont pas réellement en mesure ou n'ont pas la volonté d'accéder au monde professionnel. Le dispositif serait ainsi plus harmonieux et adapté aux nécessités de chacun. Sous le bénéfice de ces remarques générales, j'en viens maintenant à quelques observations plus particulières, tout en soulignant que le gouvernement souscrit aux propositions d'amendements formulées par votre commission. À l'article 3, le gouvernement s'est montré favorable à répartir le service de l'allocation sur chacun des membres du foyer, si tous deux y ouvrent droit. Un échange, et vous l'avez rappelé, est néanmoins intervenu sur le montant de l'aide à verser. Le gouvernement, considérant que dans la mesure où les membres d'un même foyer partagent un certain nombre de frais communs, loyers, fluides et différents abonnements, il n'était pas totalement juste par rapport à d'autres systèmes d'aide de verser au couple deux aides à 100%. Cet arbitrage est d'ailleurs déjà appliqué dans le cadre de dossiers sous loi numéro 871. Cela étant, dans un esprit constructif, le gouvernement se range à la modification apportée par la Commission de verser à chacun des membres du couple une aide entière afin de permettre le vote de ce texte important. Les précisions apportées par Madame le rapporteur à l'article 4 retracent les échanges intervenus en commission et n'appellent pas de commentaires particuliers. Il en est de même à l'article 5, s'agissant des précisions apportées à la définition d'une offre raisonnable d'emploi. À l'article 11, la substitution du terme « personne » à celui de « salarié » n'appelle pas de commentaires particuliers, de même que l'harmonisation des conditions de bénéfice des deux aides, qui entraînera l'augmentation du nombre potentiel de bénéficiaires et donc des montants servis. Enfin, s'agissant de la définition du premier emploi, le gouvernement y est également favorable et la rédaction issue des échanges en commission n'appelle pas d'observation. Je souhaite pour terminer remercier l'ensemble des personnes qui se sont investies dans le bon aboutissement de cette importante réforme, qu'elle relève du département, des services sociaux, des services du travail, les permanents et les élus du Conseil national. Tous, nous avons œuvré pour faire progresser encore l'accompagnement des personnes en recherche active d'emploi et parfaire ainsi la politique sociale de la Principauté de Monaco. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gamerdinger, pour cette intervention et ces précisions. Madame le rapporteur souhaite-t-elle prendre la parole avant que je n'ouvre la discussion générale ? Oui, nous écoutons donc Madame la vice-présidente. Nous vous écoutons. Monsieur le conseiller de gouvernement ministre pour les affaires sociales, j'ai bien écouté votre intervention complète en réponse à notre rapport. Mais j'aimerais toutefois apporter une petite précision. Vous évoquez dans votre allocution concernant l'article 3 du présent projet de loi, je cite, qu'il n'est pas juste par rapport aux autres bénéficiaires de verser au couple dont les deux membres pourraient bénéficier de la même aide, deux aides à 100% en raison du partage des frais de vie. Je tiens à préciser la position de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses qui a amendé le texte en ce sens, c'est-à-dire afin que chacun puisse prétendre au versement d'une aide pleine et entière. En effet, la Commission a souhaité distinguer ces aides des autres aides sociales qui ont pour objet d'aider et de soutenir les personnes et les familles qui en ont besoin. Ces aides pour l'accès ou l'accompagnement au retour à l'emploi ont vocation à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Il faut noter le versement de ces aides n'a pas pour objet de s'inscrire dans la durée. Nous en sommes d'accord. Elles sont limitées dans le temps et n'auront plus vocation à être versé aussitôt que l'allocataire aura trouvé ou retrouvé un emploi. En donnant une aide pleine et entière à chaque membre d'un couple, on accroît ainsi les chances d'insertion ou de réinsertion. L'utilisation de ces aides se situe donc bien au-delà du fait qu'elles permettront aux personnes en recherche d'emploi de subvenir à leurs besoins. Le projet de loi permettait déjà de verser à un même foyer une aide entière pour l'accès à l'emploi, et une aide entière pour l'accompagnement au retour à l'emploi. Aussi,
dans la mesure où le gouvernement ne considère pas que l'enfant demandeur fasse partie du foyer, au sens administratif du terme, alors que ce dernier pouvait également prétendre la totalité de l'une de ces deux aides. Dès lors, sans l'amendement de la Commission, nous nous serions retrouvés face à des situations inégalitaires dans lesquelles, je vais en citer deux différentes. Première situation, au sein d'un premier foyer composé d'un couple avec un ou plusieurs enfants, le père pourrait avoir la totalité d'une aide à l'accès à l'emploi, la mère pourrait avoir la totalité d'une aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi, un enfant pourrait avoir la totalité de l'une de ces deux aides, un second enfant pourrait également et tout autant y prétendre. Première situation. Deuxième situation, en revanche, au sein d'un second foyer composé d'un couple dans lequel les deux membres sont allocataires d'une même aide, ce couple ne pourrait avoir pour eux deux qu'une aide et demie. Considérant ce qui précède, il est apparu juste et équitable de dissocier ces deux aides du système traditionnel des aides sociales que le Conseil national n'entend nullement remettre en cause. D'ailleurs, la Commission a maintenu une répartition traditionnelle dans le cadre du projet de loi 1018, étudié également ce soir, dont la rapporteure est Mme Karen Aliprandi de Carvalho. Nous sommes donc satisfaits que le gouvernement ait entendu nos arguments. Je vous remercie. Merci Madame le rapporteur. J'ai vu se lever la main du président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Nous écoutons Monsieur Robineau. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, chers compatriotes. La Principauté de Monaco est un pays modèle dans les domaines du social et de la santé. Cette politique sociale se traduit par des lois, lois sur lesquelles s'accordent gouvernement et Conseil national, et qui font l'objet d'un vote du Conseil national en séance publique. Elle s'appuie également sur des moyens financiers retracés dans les lois de budget, également votées par le Conseil national, afin de permettre au gouvernement de mettre en œuvre ses politiques publiques dans tous les domaines. Ainsi, au sein du Conseil national, les propositions ou les projets de loi portant sur des questions sociales occupent aussi bien la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses lorsqu'elle touche à l'individu ou à la société dans son ensemble, que la Commission des droits de la femme et de la famille, présidée par notre collègue et amie Nathalie Amorati-Blanc, lorsqu'elle touche plus particulièrement les femmes et la famille. C'est ainsi que la loi 1465 relative à la famille monégasque et à l'aide sociale a été adoptée en séance publique le 3 décembre 2018, après avoir été étudiée en Commission des droits de la femme et de la famille et débattue avec le gouvernement. Dans la continuité du vote de la loi 1465, le gouvernement, dans un souci de réactualisation et de simplification des dispositions existantes, a déposé, entre autres, deux projets de loi. Le projet de loi 1018, modifiant la loi 1465, visant à instituer une nouvelle aide dénommée revenu minimum, étudiée en commission des droits de la femme et de la famille, et le projet de loi 1020, étudié en commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, qui vise, lui, à instituer deux aides, une pour faciliter l'accès à un premier emploi et la deuxième pour faciliter le retour à l'emploi, se substituant ainsi aux lois 871 et 1113, lesquelles dataient respectivement de juillet 1969 et juin 1988. Je vous rassure, je ne reviendrai pas sur les détails des dispositions du projet de loi 1020, largement et clairement exposées dans le rapport établi au nom de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses par notre amie Brigitte Bocon-Pagès et que je remercie ici pour son travail. Merci, chère Brigitte. Mais je profite de l'occasion pour souligner la complémentarité du travail effectué par le gouvernement et le Conseil national pour faire avancer notre droit social, pour remercier l'ensemble des juristes du gouvernement et du Conseil national pour la qualité de leur travail et la rapidité de nos échanges, pour remercier l'ensemble des élus qui ont participé aux réunions de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses sous l'œil, toujours attentif, de notre président Stéphane Valéry. Nous avons ainsi tous apporté notre contribution à ces mesures sociales importantes pour apporter un revenu en l'absence d'autres ressources à nos jeunes en recherche d'un premier emploi et à ceux qui, involontairement privés de leur précédent emploi, en s'engageant activement dans la recherche d'un nouvel emploi, méritent d'être accompagnés et soutenus dans leur démarche.
En tant que président de la commission des intérêts sociaux, je me félicite de l'aboutissement des travaux de nos commissions respectives sur les projets de loi 1018 et 1020, et je voterai bien sûr en faveur de ces deux textes. Merci, Monsieur Robineau. Vous êtes deux élus à m'avoir demandé la parole, Madame Fresco et Madame Amorati Blanc. Donc, dans cet ordre-là, si vous voulez bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues. Le projet de loi 1020 relative aux aides pour l'accès et le retour à l'emploi complétera de manière efficace les aides sociales déjà mises en place par l'État monégasque. J'en profite pour saluer ce soir les équipes de la Direction du Travail qui ont su gérer la Covid-19 et qui devront gérer l'après-Covid-19. Et je souhaite beaucoup de succès à la Commission de retour à l'emploi nouvellement créée. Entrer dans la vie active lorsque l'on sort de l'école ou que l'on est fraîchement diplômé d'études supérieures n'est pas un parcours sans embûches. L'orientation choisie a-t-elle été un bon choix ? Y a-t-il encore des opportunités ? Beaucoup de questions, beaucoup de doutes, des entretiens d'embauche qui s'enchaînent, une mise en compétition qui peut surprendre et souvent pas le résultat escompté. Malgré des atouts tels que l'enthousiasme et une certaine vivacité, on leur reproche un manque d'expérience. Accompagner ces jeunes financièrement dans leur recherche d'un premier travail, c'est leur donner une bulle d'air, c'est leur permettre d'effectuer des démarches sereinement. C'est pour cela que, lors des travaux de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, la Commission a choisi de ne pas pénaliser nos jeunes résidents en appliquant des critères trop restrictifs, mais plutôt en cherchant à les harmoniser, avec ceux retenus pour les aides au retour à l'emploi, tout au moins en ce qui concerne la durée de résidence minimum nécessaire. Si nos jeunes peuvent rencontrer des difficultés, que dire de nos moins jeunes, qui peuvent avoir à faire face à une perte d'emploi entraînant des situations encore plus délicates ? Avoir un travail, c'est avant tout avoir une assise financière. Mais c'est aussi le sentiment d'appartenance à un groupe social. Le retour à l'emploi est une démarche complexe qui demande du temps. Le temps de reprendre ses esprits, celui de reprendre confiance en soi, celui de se fixer un objectif et celui d'appréhender de la meilleure manière qui soit un nouvel entretien d'embauche. Il nécessite souvent une reconversion qui entraîne des délais et des difficultés supplémentaires. Accompagner ces moins jeunes financièrement dans leur retour à l'emploi, c'est le rôle d'un État comme le nôtre, État pour qui le modèle social est un atout. Monsieur le ministre, nous sommes le 3 décembre et c'est la Journée mondiale des personnes handicapées. Vous comprendrez aisément que je ne puisse pas terminer mon intervention sans évoquer l'importance d'accompagner et soutenir les personnes handicapées, jeunes ou moins jeunes, dans leur parcours professionnel et ainsi de lutter contre l'exclusion. Je sais que le gouvernement y est sensible. Je vous remercie. Merci, Madame Rolfo Fresco, pour votre intervention. Nous allons à présent donc écouter la présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, Madame Nathalie Amorati Blanc. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement ministre, chers collègues et chers compatriotes. Alors avant tout, je tiens à saluer le travail accompli par Christophe Robineau, le président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, au sein de laquelle a été étudié ce texte. Et bien sûr, à féliciter notre présidente, vice-présidente, Brigitte Bocon-Pagès, pour la qualité de son rapport. Alors nous l'avons tous compris, ce texte réorganise et clarifie les dispositifs d'aide pour les monégasques et les résidents qui sont en recherche active d'emploi. L'objectif principal est bien d'apporter un soutien financier aux personnes qui recherchent activement un emploi et de contribuer ainsi à pallier à l'absence temporaire de revenus. Sans revenir sur les dispositions prévues par ce projet de loi, je tiens tout de même à faire part de ma satisfaction concernant les amendements proposés par la Commission et qui ont finalement, après de nombreux échanges, été acceptés par le gouvernement. Brigitte Bocon-Pagès l'a fait remarquer tout à l'heure dans son rapport. Il en est de même pour le projet de loi 1018 relatif au revenu minimum que nous aborderons après le vote de ce texte et qui a été étudié au sein de la Commission des droits de la femme et de la famille. Alors je remercie l'ensemble des acteurs qui ont participé à l'élaboration de ces deux textes qui contribuent à faire de Monaco un véritable modèle social. C'est bien un travail concerté qui nous permet d'aboutir aujourd'hui à des textes équilibrés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Amorati. Est-ce qu'il y a encore un élu qui souhaite intervenir ? Monsieur Boëri, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je m'associe totalement au rapport de notre rapporteur et des conclusions qui ont été faites et du travail avec le gouvernement. Les aides financières vont être là.
Je voudrais simplement signaler qu'il y a aujourd'hui une transformation du travail totale et que les diplômés qui viennent chercher un premier emploi se trouvent complètement désemparés face à des entreprises qui ont effectivement changé leur manière de recruter. Donc, il y a une direction du travail, il y a des structures pour accompagner qualitativement les demandeurs d'emploi. Je voudrais simplement souligner que nous devons être très vigilants, tant mieux avec les aides financières. Elles vont effectivement être soutenues, mais il faut qu'on soit vigilant sur la partie qualitative de la recherche d'un emploi. Merci. Merci, Monsieur le Doyen. Donc, plus d'interventions. Nous allons passer au vote de ce texte. Je vais vous inviter, Monsieur le Secrétaire général, à donner lecture des articles de ce projet de loi amendé. Merci, Monsieur le Président. Chapitre 1, dispositions générales. Article 1er, texte amendé. Les personnes qui sont à la recherche d'un emploi et qui n'ont droit ni à une allocation chômage, y compris celle versée en application de dispositions conventionnelles, ni à une allocation équivalente, peuvent bénéficier de l'aide pour l'accès à l'emploi ou de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi dans les conditions prévues par la présente loi. Le droit aux aides prévues à l'alinéa précédent est soumis à des conditions de ressources définies par ordonnance souveraine. Je mets l'article 1er amendé aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, il est adopté. Article 2, texte amendé. L'aide pour l'accès à l'emploi et l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi sont versées par l'État. Le versement de l'aide pour l'accès à l'emploi et de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi est ouvert pour une durée d'une année, révisable à l'issue d'une période de 6 mois. Les conditions de versement et de reconduction du droit à l'aide pour l'accès à l'emploi et de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi sont prévues par ordonnance souveraine. Je mets cet article 2 amendé aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, il est adopté. Article 3, texte amendé. Dans l'hypothèse où les membres d'un même foyer ouvrent droit à l'une des aides prévues à l'article 1er, il est versé à chacun d'eux l'intégralité de l'aide qui lui a été attribuée. Je mets cet article 3 amendé aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, il est adopté. Article 4, texte amendé. Ne peuvent bénéficier de l'une des aides prévues à l'article 1er les personnes qui, premièrement, sont âgées de 65 ans ou plus, deuxièmement, sont ou peuvent être titulaires d'une pension de retraite, troisièmement, se trouvent privés de leur emploi ou ne peuvent exercer d'emploi en raison de leur inaptitude à l'exercice de toute activité professionnelle. Quatrièmement, ont trouvé ou retrouvé un emploi à temps plein. Je mets l'article 4 amendé aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Pas d'avis contraires, pas d'abstention. Il est adopté. Article 5, texte amendé. Sauf à justifier d'un motif valable, sont privés du bénéfice de l'aide pour l'accès à l'emploi ou de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi les personnes qui, premièrement, ne répondent pas à 3 convocations du service de l'emploi, deuxièmement, refusent 3 postes proposés par le service de l'emploi alors que ceux-ci sont compatibles avec leur formation et leurs aptitudes ou, le cas échéant, constituent une offre d'emploi correspondant à leur taux d'invalidité. Troisièmement, refusent de suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel proposés par le service de l'emploi. Je mets l'article 5 amendé aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, il est adopté. Article 6. L'ouverture du droit à l'une des aides prévues à l'article 1er emporte également ouverture du droit aux prestations médicales auprès d'un organisme de prestations médicales défini par ordonnance souveraine. Je mets l'article 6 aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté. Article 7. Texte amendé. Le bénéficiaire de l'une des aides visées à l'article 1er est tenu de signaler au service compétent tout changement de sa situation familiale, personnelle, financière ou de résidence qui serait de nature à modifier ou à faire cesser son bénéfice à la dite aide dans un délai de 30 jours à compter de sa survenance. Toute somme indûment perçue est soumise à répétition. Je mets l'article 7 amendé aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, il est adopté. Article 8, texte amendé. Afin de vérifier que le demandeur ou le bénéficiaire de l'une des aides visées à l'article 1er remplit les conditions légales ou réglementaires, il peut être procédé au contrôle sur pièce de leur situation. Les fonctionnaires ou les agents de l'État dûment habilités à instruire les demandes d'aide pour l'accès à l'emploi ou d'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi peuvent réclamer au demandeur la production de toute pièce complémentaire. Ces personnes peuvent également demander aux administrations publiques toutes les informations utiles, même couvertes par le secret de la vie privée, à la condition que ces informations soient strictement nécessaires au contrôle des conditions de bénéfice de ces aides. Cet échange d'informations ne donne pas lieu à la création d'échanges systématisés. Je mets l'article 8 amendé aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté. Sans préjudice des sanctions, article 9. Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 10, les personnes qui ont indûment perçu l'une des aides prévues à l'article 1er, celles qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères ou ont omis de déclarer l'occupation d'un emploi, sont privées du bénéfice de l'aide.
Je mets l'article 9 aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il est adopté. Article 10 est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal. Quiconque se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou tenter de faire obtenir l'une des aides prévues à l'article 1er. Je mets l'article 10 aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Adopté. Chapitre 2. Des conditions d'ouverture du droit à l'aide pour l'accès à l'emploi. Article 11. Texte amendé. Le droit à l'aide pour l'accès à l'emploi est ouvert aux personnes âgées d'au moins 16 ans, de nationalité monégasque ou qui résident en principauté sans interruption depuis 10 ans au moins à la date de leur inscription au service de l'emploi dans le cadre d'une recherche active d'un premier emploi. Sont considérés comme étant candidats à un premier emploi ceux qui n'ont jamais occupé d'emploi ou ceux qui ont occupé un emploi sur une période inférieure à 3 mois consécutifs. Il en est de même des personnes qui ont occupé un emploi, soit en alternance dans le cadre de leurs études, soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, sous réserve qu'elles n'aient pas ouvert droit ou qu'elles ne puissent ouvrir droit au chômage conventionnel. Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois. Je mets l'article 11 amendé aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, il est adopté. Chapitre 3. Des conditions d'ouverture du droit à l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi. Article 12. Texte amendé. Le droit à l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi est ouvert aux personnes privées, momentanément et involontairement d'emploi, de nationalité monégasque ou qui résident en principauté sans interruption depuis 10 ans au moins à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce droit peut, sous réserve qu'ils remplissent les conditions pour en bénéficier, être rouvert au demandeur qui en a déjà bénéficié, dans la limite d'une fois tous les 3 ans à compter de l'extinction des précédents droits. Je mets l'article 12 amendé aux voix. Pas d'avis contraire. Pas d'abstention, adopté. Article 13, texte amendé. Sont considérés comme involontairement privés d'emploi pour bénéficier de l'aide prévue au présent chapitre les personnes qui justifient. Premièrement, être inscrites au service de l'emploi dans le cadre d'une recherche active d'un emploi. Deuxièmement, avoir perdu leur emploi par suite de circonstances indépendantes de leur volonté ou qui ont quitté leur emploi pour un motif légitime dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Troisièmement, avoir, au cours des 24 derniers mois qui précèdent leur inscription au service de l'emploi comme demandeur d'emploi, accompli un travail régulier pendant une période minimale de 120 jours ou, pour les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents et assimilés, 800 heures de travail salarié. Je mets l'article 13 amendé aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? Pas d'abstention. Il est adopté. Chapitre 4. Disposition finale. Article 14. À l'article 1er de la loi numéro 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi, les mots « total » ou sont supprimés. Les articles 2 à 7 de la loi numéro 871 du 12 juillet 1969 instituant des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi sont abrogés. Je mets cet article 14 aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, il est adopté. Article 15. La loi numéro 1113 du 27 juin 1988 relative à l'octroi d'une allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d'emploi est abrogée. Je mets aux voix cet article 15. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté. Je vais donc à présent mettre l'ensemble de la loi aux voix, sachant que son intitulé sera modifié comme suit, hein, je cite, « Loi relative aux aides pour l'accès ou l'accompagnement au retour à l'emploi ». Donc, je vais demander aux conseillères nationales et aux conseillers nationaux donc, qui sont d'avis de voter cette loi, de bien vouloir lever la main. La loi est adoptée à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons à présent passer à l'examen du troisième et dernier texte inscrit ce soir à notre ordre du jour. Il s'agit du projet de loi 1018, modifiant la loi 1465 du 11 décembre 2018, relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale. Monsieur le secrétaire général, je vous prie de bien vouloir donner lecture des dispositions générales de l'exposé des motifs de ce projet de loi. Nous vous écoutons. Monsieur le Président. L'allocation de chômage social a été instituée par l'ordonnance-loi numéro 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage. Jusqu'en 2013, cette allocation était versée en espèces pour une durée maximale de 3 mois par année civile aux monégasques puis par extension à leurs conjoints, inscrits au service de l'emploi et en recherche active d'emploi. Le gouvernement a, à cette époque, considéré que ce dispositif devait être remanié, certaines personnes sollicitant cette allocation chômage de manière inadaptée, la considérant uniquement comme un avantage financier, sans obligation en contrepartie. Les pratiques et les usages ont ainsi été clarifiés au moyen de 2 arrêtés ministériels publiés le 1er février 2013,
disposant notamment que le montant de l'allocation est désormais fixé après avis de la commission chômage à partir du montant de l'allocation d'aide publique servie par la direction du travail, auquel est appliquée une décote de 10%. L'attention des autorités a alors été appelée à plusieurs reprises sur les montants de l'allocation, au motif que ceux-ci ne seraient pas suffisamment élevés au regard du coût de la vie pour permettre la subsistance des demandeurs. Le gouvernement a toujours considéré que l'allocation de chômage social doit s'inscrire en cohérence avec les dispositifs existants en principauté en matière d'insertion professionnelle et donc être d'un niveau inférieur. De plus, fixer un montant trop élevé d'allocation aurait vraisemblablement pour conséquence d'entretenir certains bénéficiaires dans des comportements inadaptés. Cependant, un recensement réalisé en 2018 des différentes aides servies en matière d'insertion professionnelle et de leurs compléments éventuels, tickets services, paiements de factures, couverture maladie, aides sociales diverses, etc., a été établi, qui a conduit à constater que la multiplicité des systèmes d'aide et d'accompagnement, commissions d'insertion socio-professionnelle, allocations Pôle emploi, allocations spéciales en faveur de certaines catégories de demandeurs d'emploi, allocations d'aide publique, allocations de chômage social, leur fait perdre en lisibilité. De plus, certaines personnes se maintiennent artificiellement en situation de demande d'emploi alors qu'elles ne sont pas réellement en recherche active, ce qui a pour effet d'impacter négativement les personnes qui sont véritablement demandeuses d'un accompagnement à l'emploi quand elles voient que certains n'adhèrent pas tout en étant de fait maintenus au bénéfice du système, d'augmenter le nombre de demandeurs d'emploi monégasques alors que certains sont en recherche non active. Aussi, le gouvernement a décidé de clarifier et rationaliser les dispositifs en les réorganisant sur le plan législatif et réglementaire et en reconnaissant, via les montants servis, l'investissement personnel de ceux qui sont en recherche active d'emploi. Le présent projet de loi a ainsi pour objet de créer, au sein de la loi numéro 1465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, une nouvelle aide sociale dénommée revenu minimum. Tel est l'objet du présent projet de loi. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour cette lecture. Nous allons à présent écouter sans attendre Madame Karen Aliprandi de Carvalho, qui est déjà installée donc au pupitre, pour la lecture du rapport qu'elle a établi sur ce texte. C'est bien au nom de la Commission des droits de la femme et de la famille. Voilà, donc nous écoutons Madame le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le Conseiller ministre, chers collègues, chers téléspectateurs. Le projet de loi numéro 1018, modifiant la loi 1465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, a été transmis au secrétariat général du Conseil national et enregistré par celui-ci le 10 août 2020 sous le numéro 1018. Il a été renvoyé devant la Commission des droits de la femme et de la famille lors de la séance publique du 6 octobre 2020. La principauté est un modèle social de référence. Elle soutient et accompagne ses nationaux. L'inscription de ce projet de loi à l'ordre du jour d'une séance publique dans le contexte sanitaire, social et économique actuel en témoigne. Car ce texte, en réformant un mécanisme déjà existant, poursuit l'objectif de créer en droit monégasque une nouvelle aide sociale dénommée revenu minimum, destinée à assurer les moyens de subsistance nécessaires aux monégasques les plus démunis, sans emploi et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour ouvrir droit à d'autres aides financières destinées à pallier l'absence d'activité professionnelle. D'emblée, votre rapporteur tient à souligner que si l'intitulé de l'aide peut prêter à confusion, le dispositif projeté ne saura être assimilé au mécanisme de revenu minimum qui existe dans la plupart des pays européens, tels que le revenu de solidarité active français. À cet égard, certains membres de la Commission ont exprimé leur regret quant à la portée limitée de ce texte, exclusivement destiné à des personnes qui, présentant des difficultés d'insertion sociale et professionnelle, sont incitées à abandonner leur qualité de demandeur d'emploi afin de bénéficier d'un suivi socio-éducatif davantage adapté à leur situation personnelle. Toutefois, pleinement conscient des besoins auxquels cette aide répond, et de ce qu'elle s'inscrit dans un cadre plus large, composé d'autres allocations ayant vocation à répondre aux situations qui ne seraient pas couvertes par ce revenu minimum et dont il convient de maintenir la cohérence, les membres de la commission, n'ont pas souhaité formuler d'amendement pour élargir le champ des bénéficiaires de cette aide sociale. Ils ont en revanche proposé des amendements destinés à sécuriser les conditions d'ouverture du droit au revenu minimum, à étendre la durée d'ouverture du dit droit, à instaurer une parfaite égalité entre les deux membres d'un même foyer pouvant prétendre au versement du revenu minimum et enfin à assouplir les dispositions relatives à la suspension de l'aide.
Ainsi, en pratique, ce revenu minimum sera versé aux personnes monégasques qui, dépourvues de ressources suffisantes, ne sont bénéficiaires d'aucune allocation de chômage ou d'aide publique servie par la direction du travail et qui sont suivies par un personnel socio-éducatif de la direction de l'action et de l'aide sociale. Dès lors, ce texte s'inscrit pleinement dans le cadre à l'aide à la famille monégasque et de l'aide sociale, objet de la loi au sein de laquelle le revenu minimum est inséré, en assurant les moyens de subsistance minimum à ses bénéficiaires et corrélativement à leur famille. Par ailleurs, et comme le révèle l'exposé des motifs du projet de loi, celui-ci contribue à instaurer une meilleure lisibilité entre les aides servies par l'État aux personnes en difficulté financière. Votre rapporteur tient à saluer cette démarche et l'insertion de cette aide au sein d'une loi cadre, qu'est la loi numéro 1465 du 11 décembre 2018, relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale. Cette démarche participe indéniablement à une meilleure accessibilité des mécanismes d'aide disponibles, permettant ainsi aux personnes de mieux identifier l'ensemble des aides servies par l'État, en distinguant avec précision leur champ d'application. Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, votre rapporteur entend apporter maintenant certaines observations concernant les amendements opérés par la Commission. L'ensemble des amendements formulés par la Commission porte sur l'article 2 du projet de loi qui modifie les articles 21 à 23 et insère l'article 21.1 et 22.1 à 22.3 au sein de la loi numéro 1465 du 11 décembre 2018, relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale. Ainsi, au titre de l'article 21, la Commission a souhaité sécuriser les conditions d'ouverture du droit au revenu minimum. En effet, à la lecture de l'exposé des motifs, la Commission a observé que cette aide serait destinée à être versée à des personnes qui ne sont plus en recherche d'emploi, non pas du fait de leur volonté, mais parce qu'elles nécessitent un suivi socio-éducatif. Toutefois, le dispositif tel qu'il avait été envisagé par le gouvernement pourrait laisser penser que toute personne qui ne serait pas en recherche active d'emploi, même du fait de sa volonté, pourrait bénéficier de cette aide. Aussi, il est apparu opportun à la Commission d'ériger la condition de suivi socio-éducatif en condition d'octroi du revenu minimum. Ainsi, ne pourront se prévaloir de l'absence de recherche d'emploi que les personnes qui nécessitent un suivi socio-éducatif et qui ont été identifiées comme telles par les services du gouvernement. En d'autres termes, le gouvernement sera en mesure de refuser d'ouvrir le droit au revenu minimum à une personne qui, au regard de sa situation, ne présente pas de difficultés d'insertion sociale ou professionnelle justifiant un suivi socio-éducatif. Il importe de relever que cet amendement se fait l'écho d'une pratique déjà bien ancrée de coopération entre la direction du travail et la direction de l'action et de l'aide sociale. Par ailleurs, la Commission s'est interrogée sur les motivations qui ont conduit le gouvernement à retenir une durée de versement de 6 mois. Il semble en effet que traditionnellement, l'ouverture du droit aux aides soit prononcée pour une année et qu'habituellement, l'administration procède au réexamen de chaque dossier annuellement et non pas de manière biannuelle. Sur ce point, le gouvernement a indiqué à la Commission que cette révision biannuelle constituait l'outil indispensable pour s'assurer d'une part d'un suivi efficace de la personne eu égard à ses besoins et d'autre part que le maintien du suivi socio-éducatif de la personne est justifié. Il a alors été proposé de dissocier de la durée d'ouverture du droit au revenu minimum les échéances de contrôle y afférents. En effet, la perception du revenu minimum étant à la fois soumise à des conditions d'ouverture et à des conditions de maintien, cette dissociation s'est avérée opportune. Ainsi, la personne qui remplit les conditions d'obtention du revenu minimum ouvre, en théorie, un droit pour une année. Toutefois, s'agissant de l'effectivité du versement qui découle de ce droit, celui-ci fait l'objet d'une révision à l'issue d'une période de 6 mois afin d'apprécier le respect des conditions de maintien de l'aide. Corrélativement, la Commission a procédé à la suppression de la référence à la dérogation à l'article 15 de la loi numéro 1465 du 11 décembre 2018, relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, dans la mesure où le réexamen annuel est maintenu.
Enfin, la Commission a considéré que la rédaction du dernier alinéa de l'article 21 était trop impérative quant à la suspension du versement du revenu minimum en cas de non-présentation du bénéficiaire dudit revenu à l'un de ses rendez-vous de suivi socio-éducatif. Sur ce point, les membres de la Commission ont en effet estimé que cette suspension ne pouvait avoir un caractère automatique, notamment afin de tenir compte d'un éventuel motif légitime qui justifierait de cette non-présentation. Dans ces conditions, la Commission a substitué au mot « entraîne » les mots « peut entraîner ». S'agissant de l'article 21.1 introduit par l'article 2 du projet de loi, outre des modifications de nature formelle, l'amendement proposé par la Commission résulte d'une double constatation. D'une part, le versement d'une seule allocation par foyer est apparu inégalitaire et source de difficultés pratiques pour ses bénéficiaires. En effet, si les deux membres du couple remplissent les conditions pour bénéficier du revenu minimum, la Commission a estimé que chacun d'eux doit pouvoir prétendre à la qualité d'allocataire dudit revenu. Aussi, le versement d'une seule allocation, même majorée, n'est pas apparu approprié. De surcroît, la Commission a considéré que le versement d'une aide à chaque membre du couple constitue la garantie de leur indépendance financière et sera source de sécurité pour ces derniers dans l'hypothèse, notamment, d'une séparation du couple. Dès lors, la Commission a proposé de supprimer le second alinéa de l'article 21.1. D'autre part, les membres de la Commission des droits de la femme et de la famille ont constaté que, contrairement à ce qui résulte de l'article 3 du projet de loi numéro 1020, relative aux aides pour l'accès ou le retour à l'emploi, il n'est prévu aucune majoration du revenu minimum lorsque celui-ci est versé à un couple dont les deux membres sont attributaires. Par parallélisme, mais également afin de ne pas aller en décalage de ce à quoi ont actuellement droit les bénéficiaires de cette aide, la Commission a souhaité mentionner dans la loi le principe de la majoration du revenu minimum dans l'hypothèse précitée. En réponse, le gouvernement a accueilli favorablement ces propositions d'amendement sous réserve d'y apporter des modifications formelles afin de s'assurer que cette disposition ne puisse pas être interprétée comme donnant droit à chaque membre du couple à une aide majorée. L'objectif est en effet que les membres du couple se partagent à part égale cette aide majorée. Concernant l'article 22.1, la Commission a souhaité s'assurer auprès du gouvernement que le deuxième tiré de l'article 3 de l'ordonnance souveraine numéro 5744 du 3 mars 2016 relative à l'aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé sera modifié afin de viser le revenu minimum. En effet, dans la mesure où les bénéficiaires actuels du chômage social bénéficient de droits de l'aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé et que le revenu minimum vient remplacer le chômage social, les membres de la Commission ont demandé que ce droit leur soit maintenu, ce que le gouvernement a confirmé. L'article 2 du projet de loi a donc été modifié. Telles sont les remarques et amendements proposés par la Commission. Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite désormais à voter en faveur du présent projet de loi tel qu'amendé par la Commission des droits de la femme et de la famille. Je vous remercie, Madame Karen Aliprandi de Carvalho, pour votre excellent rapport aussi exhaustif que précis, qui résume parfaitement les travaux de la Commission. Je me tourne à présent vers le gouvernement pour écouter sa réponse. Vous avez souhaité, M. le ministre d'État, que ce soit M. le conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, qui prenne la parole. Donc, nous écoutons M. Gamerdinger. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, je souhaiterais en tout premier lieu remercier très chaleureusement Mme Aliprandi de Carvalho pour le caractère très précis et complet de son rapport. Je voudrais remercier également la présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille pour la richesse des échanges que nous avons eus sur ce projet de loi. Je souhaite saluer notre approche mutuellement positive qui a permis d'aboutir rapidement et de manière consensuelle sur ce texte. Cette convergence de vues fluide et efficace est le fruit d'une volonté conjointe d'aboutir rapidement sur un texte important. Le dispositif est très court, puisqu'il comporte 3 articles. Pour autant, il est important, puisqu'il pose pour la première fois en Principauté de Monaco
le principe d'un revenu minimum pour les monégasques. La démarche du gouvernement repose sur un constat et sur une volonté. Le constat lucide, selon lequel, en dépit des efforts des services chargés d'assurer l'accès à l'emploi, certaines des personnes accompagnées ne manifestent pas une réelle adhésion aux différents projets professionnels qui leur sont proposés. Or, l'État ne peut pas tout. Il doit aider et accompagner, favoriser évidemment la prise de fonction salariée, faciliter la reconversion si nécessaire, permettre l'acquisition de compétences complémentaires, assurer un accompagnement financier, comme nous l'avons vu dans le projet de loi précédent. Mais l'État et ses services ne peuvent se substituer aux candidats à l'emploi. Il lui appartient de manifester son intérêt réel pour une activité. Or, parfois, cet intérêt n'est pas présent. Il n'y a pas de volonté d'intégrer le monde du travail. Il n'y a pas de détermination à avoir des horaires rythmés par une activité salariée, à faire les efforts qui en découlent et à intégrer une équipe professionnelle. De sorte que les initiatives déployées par les services publics pour proposer des embauches demeurent vaines. De surcroît, cette absence d'adhésion aux projets professionnels proposés a parfois un effet négatif, notamment sur les employeurs qui proposent une activité rémunérée et qui ne comprennent pas que le candidat à l'emploi proposé par la direction du travail ne se présente pas à l'entretien d'embauche ou laisse transparaître un désintérêt pour toute fonction professionnelle. Le modèle éducatif monégasque et le modèle social ne sont pas en cause. En principauté, l'enseignement est d'excellent niveau, performant et attentionné. Chacun peut y trouver sa place et sa voie, pourvu qu'il y aspire. Le modèle social permet un accompagnement pratiquement sur mesure, adapté en fonction des profils et des personnalités. Il faut cependant constater, sans émettre du jugement de valeur à l'égard des personnes concernées, que parfois, faute d'investissement réel de leur part, il n'est en fait pas possible de les amener à une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Pour autant, et c'est un point fondamental pour nous, notre rôle est de continuer à les accompagner. Et c'est là notre volonté. Cet accompagnement prendra à l'avenir la forme d'un revenu permettant une vie décente, une couverture sociale et un suivi social. Ce suivi est impératif si l'on souhaite éviter une désocialisation des personnes concernées. Nous ne devons laisser personne de côté. Notre rôle est de faire preuve d'une attention constante, empreinte de tolérance et d'humanité. C'est d'autant plus nécessaire que rien n'est jamais définitif. Les bénéficiaires du futur revenu minimum monégasque peuvent en effet, à un moment de leur vie, être mieux adaptés ou mieux en capacité de travailler et d'intégrer des équipes professionnelles. C'est cette vision qui doit nous porter conjointement. Le revenu minimum monégasque est nécessaire, mais ne saurait constituer une réponse unique et définitive. Il faut par conséquent rester persuadé que le retour au travail est toujours envisageable et mérite d'être proposé. Des échanges que nous avons eus, j'ai retiré le sentiment que le gouvernement et le Conseil national partagent cette approche, être aux côtés de nos compatriotes, les accompagner au mieux et rechercher les solutions les plus adaptées les concernant. Cette convergence de vues explique que nous ayons trouvé des solutions rédactionnelles communes. Je ferai les commentaires plus particuliers suivants sur les propositions d'amendements, tout en vous confirmant que le gouvernement souscrit à vos propositions. À l'article 2, des échanges sont intervenus sur la proposition du Conseil national de modifier les conditions d'ouverture du droit au revenu minimum. Le gouvernement, estimant que la volonté des personnes de travailler ne doit pas être une des conditions d'ouverture de droit à l'allocation. Une position consensuelle a été finalement trouvée, permettant de ne laisser personne au bord du chemin. Il en a été de même s'agissant de la modification de la durée d'ouverture du droit, qui a finalement été relevée à une année, le maintien de l'aide faisant l'objet d'un réexamen au bout de 6 mois. À l'article 21.1, la proposition de répartir l'allocation globale sur les 2 membres du couple qui ouvrent droit a été retenue, le gouvernement partageant les raisons invoquées par les membres de la commission. Il en est de même pour la répartition de la majoration sur les 2 bénéficiaires de l'aide, une rédaction consensuelle ayant été trouvée qui permet de sécuriser le dispositif. Enfin, je vous confirme que les bénéficiaires du revenu minimum seront attributaires de droit de l'aide médicale de l'État
ainsi que de la complémentaire santé, le gouvernement ne pouvant envisager de laisser des monégasques sans couverture maladie. Je souhaite remercier les personnes qui se sont investies dans le bon aboutissement de cette initiative, fonctionnaires du gouvernement et du Conseil national, et élus. L'instauration à Monaco d'un revenu minimum pour nos compatriotes constitue une avancée majeure dans la politique sociale de notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gamert-Dinger. Je me tourne tout d'abord vers Madame le rapporteur. Souhaitez-vous intervenir dans cette discussion générale ? Pas de réponse particulière à ce stade. Qui souhaite donc prendre la parole dans le débat sur ce texte avant qu'on le mette au vote ? Madame la présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, Madame Amorati-Blanc. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement ministre, chers compatriotes. Alors, je ne vais pas revenir sur l'intérêt et les objectifs de ce projet de loi relatif à l'instauration d'un revenu minimum que ma collègue et rapporteure de ce texte, Karen Pondy de Carvalho, a largement exposé dans son rapport, et je l'en remercie. Ce texte est effectivement une avancée sociale importante pour la politique sociale de Monaco. Alors, je remercie, l'ensemble des membres de la Commission des droits de la femme et de la famille, ainsi que les permanents et les juristes du Conseil national, mais également du gouvernement. Nous l'avons tous compris, ce texte vise à assurer les moyens de subsistance nécessaires aux monégasques les plus démunis, sans emploi, et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour ouvrir droit à d'autres aides financières destinées à pallier l'absence d'activité professionnelle. Alors, le conseiller ministre l'a rappelé, les échanges entre nos deux institutions ont été riches et les amendements proposés ont abouti à ce texte équilibré. Alors, ce projet de loi, qui vient modifier la loi relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, contribue effectivement à faire de la principauté un pays à la pointe en matière sociale. Je vous remercie. Merci, Madame Amorati. Je me tourne vers l'ensemble de mes collègues. Il n'y a plus d'intervention dans cette discussion générale. Eh bien, donc, nous traversons, vous avez été quelques-uns à le dire, à une crise sans précédent qui accentue de fait les difficultés rencontrées par certaines personnes déjà en situation difficile et qui, pour d'autres, augmente le risque de perdre leur emploi. Plus que jamais, dans ce contexte, l'État doit montrer qu'il est aux côtés des plus fragiles, car comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, notre modèle social monégasque ne doit laisser personne au bord du chemin. Je remercie, Monsieur le Ministre, le gouvernement d'avoir entendu notre position, d'avoir pris en compte nos propositions d'amélioration de ces deux textes, celui-ci et celui que nous venons juste de voter, d'avoir reconnu pleinement l'investissement personnel de ceux qui sont en recherche active d'un emploi. Notre amendement sur ce point-là permet ainsi que chaque membre d'un couple dans cette situation perçoive une aide entière. C'était d'autant plus justifié quand on connaît son montant, qui va être d'environ 1 000 euros par mois, donc qui est très raisonnable, et donc par personne, bien sûr, 1 000 euros. Je rappelle que ce dispositif ne concerne, par chance, heureusement, qu'un nombre très limité de compatriotes ou de résidents. Les deux textes donc, que nous aurons sociaux, d'inspiration sociale, que nous aurons votés ce soir, renforcent indéniablement notre dispositif de soutien et d'accompagnement, et donc le modèle social monégasque, qui est mis actuellement à l'épreuve, mais qui démontre, une fois encore, toute sa force. Je vous invite à présent, Monsieur le Secrétaire Général, à donner lecture donc, des articles de ce projet de loi que nous allons mettre aux voix. Article 1er. L'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la loi numéro 1465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale est modifié comme suit. Revenu minimum. Je mets l'article 1er aux voix. Il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il est adopté. Article 2. Texte amendé. Les articles 21 à 23 de la loi numéro 1465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale sont modifiés comme suit. Article 21. Les personnes de nationalité monégasque âgées de plus de 18 ans, sans activité professionnelle, ayant épuisé leurs droits au chômage et aux aides publiques servies par la direction du travail ou n'ayant droit à aucune de ces aides, et lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'un suivi socio-éducatif par la direction de l'action et de l'aide sociale, peuvent bénéficier d'un revenu minimum versé par l'Office de protection sociale dans les conditions fixées par ordonnance souveraine. Le revenu minimum est ouvert pour une durée d'un an renouvelable, révisable à l'issue d'une période de 6 mois,
et à la condition que l'attributaire justifie d'un suivi socio-éducatif effectif et régulier. L'obligation de suivi socio-éducatif visée à l'alinéa précédent est remplie lorsque l'attributaire se présente à un entretien mensuel avec un professionnel socio-éducatif de la direction de l'action et de l'aide sociale. La non-présentation à ce rendez-vous peut entraîner la suspension du versement du revenu minimum après que l'attributaire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. Article 21-1. Le montant du revenu minimum varie en fonction de la situation familiale du demandeur et de ses ressources telles que définies par ordonnance souveraine. Dans l'hypothèse où les deux membres d'un même foyer ouvrent droit au revenu minimum, il est versé l'équivalent d'une aide majorée de 50% divisée à part égale entre chacun des deux allocataires. Article 22. Les personnes attributaires du revenu minimum bénéficient d'une aide sociale complémentaire prenant la forme de tickets service. Elles ne sont toutefois pas éligibles au bénéfice des secours temporaires prévus par l'article 20. Article 22-1. Lorsqu'elles ne relèvent d'aucune caisse sociale monégasque ou étrangère, les personnes attributaires du revenu minimum sont attributaires de droit de l'aide médicale de l'État prévue à l'article 24. Article 22-2. Les personnes attributaires du revenu minimum peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille dans les conditions fixées par l'article 12-2 de la loi numéro 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée. Article 22-3. Les conditions d'attribution et de suspension du revenu minimum et des avantages y afférents sont fixées par ordonnance souveraine. Article 23. Le revenu minimum n'est pas subordonné à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil et ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération. Je mets l'article 2 amendé aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Pas d'avis contraire, pas d'abstention, il est adopté. Article 3. L'ordonnance loi numéro 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage est abrogée. Je mets cet article 3 aux voix. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, il est adopté. Je vais donc à présent mettre l'ensemble de la loi aux voix. Je demande aux conseillères nationales et aux conseillers nationaux qui souhaitent voter cette loi de bien vouloir lever la main. Elle est adoptée à l'unanimité des conseillers nationaux présents. Eh bien, Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement ministre, chers collègues, chers compatriotes, chers résidents et amis de la principauté qui suivaient nos échanges, nous sommes arrivés au terme de notre ordre du jour de ce soir. Nos prochains rendez-vous, donc j'en profite pour vous les annoncer, seront consacrés donc aux séances publiques budgétaires. Donc nous allons étudier le budget primitif de l'État pour l'année 2021. Elles se tiendront, ces réunions, donc dès mercredi 9 décembre à 17h, puis vendredi 11 décembre à 17h30, mardi 15 décembre à 17h, pour terminer avec le vote du budget général primitif donc de l'État pour 2021, ça sera le jeudi 17 septembre à 18h30. Mais entre-temps, nous nous retrouverons une fois encore pour une dernière séance publique législative de l'année, ça sera mercredi 16 décembre prochain à 18h. Merci à toutes et à tous, bonne fin de soirée, la séance est levée. Thank you.